un coup de cœur. Merci, monsieur le témoin, je ne serai plus très long. J'ai quelques questions d'abord sur les bourreaux. Vous avez vu exécuter. Pouvez-vous estimer à peu près le nombre de bourreaux qui se trouvaient sur place, en ce compris ceux qui escortaient les victimes vers le lieu d'exécution et ceux qui procédaient aux exécutions en tant que tel? Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait que trois personnes en tout? Ou bien que le groupe était plus large, mais qu'il venait chaque fois avec deux personnes qui escortaient et un qui tuait. Est-ce que vous pourriez clarifier s'il y avait plusieurs groupes, deux, trois personnes ou bien un seul? Et donc, est-ce que c'était chaque fois le même bourreau qui procédait aux exécutions ou bien est-ce qu'il se relayait? D'après ce que vous avez vu, est-ce que c'était des soldats ou des miliciens? La traduction en français n'a pas été très claire. On a entendu que vous aviez dit que ce n'était pas des soldats et qu'après que c'était des soldats et qu'il y avait parmi eux Kout et Noy. Est-ce que vous pourriez clarifier à nouveau, est-ce que c'était des soldats de l'armée ou de la région? Est-ce que c'était des miliciens? Et je crois que tout à l'heure vous aviez dit qu'ils étaient donc ceux qui les escortaient étaient armés. Est-ce que vous pourriez savoir vous-même à quel échelon, à quelle unité ces personnes, ces bourreaux appartenaient? Est-ce que vous pourriez savoir
ណាដែលជាកងយោធានោះបាទនៅក្នុងកលែងវត្តនោះនៅតាមកងយោធាគេផងជួយលោកច្រឡំគ្នាណាកលែងនោះជាលោកច្រឡំគ្នាកងឈ្លបផងកងយោធាផង Et ceux qui exécutaient étaient-ce à la fois des militaires et des miliciens, ou bien ce n'était qu'un seul de ces deux groupes postés à la pagode? Quel âge environ avaient ces militaires et ces soldats qui procédaient aux exécutions? หกห้าหกห้าห้าลือหกบ่มใบหกบ่มบูนนะตามทางสมานมือมันคอกดีปนแต่สลับอ่อเฮ้ยปู่เนี่ยคิดจะก่อเนี่ยตึงนุ่งสลับอ่อ Kut et Mui, dont vous avez cité le nom, dépendait-il de la commune? Kut, comme vous dites, et Mui dépendait-il de la commune ou du district? Kong Mui, l'obre bok kum, rikor bok srop. ខ្ញុំដូចជាមិនចាំផងມັນនឹងជាខាងស្រុកມັນនឹងជាខាងឃុំហើយរឿងទៅនោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរកលែងចំណុចណាដែលខ្ញុំមិនដឹងគឺខ្ញុំឆ្លើយថាមិនដឹងມັນច្បាស់ខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយដែរ Oui, c'est très bien. Concernant le nombre de victimes, je voudrais faire une distinction. Vous allez m'aider entre ce que vous avez, le nombre de personnes exécutées que vous avez vues personnellement et le nombre global de personnes qui se trouvaient à la bibliothèque. Et tout d'abord, pourriez-vous nous dire, durant le laps de temps où vous avez observé les exécutions, à peu près combien de personnes ont été exécutées près de la fosse et de la clôture de la pagode? បាទខ្ញុំបាទឃើញក្រែលច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានជិះរៀបដឹងចំនួនថាប្រពន្ធណាមែនទេតែនៅក្នុងហោត្រៃខ្ញុំឃើញណែនពេញទាំងអស់ ក្នុងហោត្រៃនោះចំនួនវាប្រហែលជារយៈប្រហែលជា25នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងតាមមើលទៅខ្ញុំស្មានមើលប្រហែលជា25នាក់ Alors, là, je crois que vous m'avez perdu. Le nombre de personnes estimé à 25, est-ce que c'est le nombre de gens que vous avez vus se faire exécuter? Ou bien c'est le nombre de gens que vous avez vus que vous estimez être dans la bibliothèque? Bad. ខ្ញុំប៉ាន់ស្មានក្នុងហោត្រៃនោះទេណាចំនួន25នាក់នេះតែក្រៅពីនោះទៀតនោះខ្ញុំមិនដឹងចំនួនប្រមាណទេព្រោះវាវាក1វាក2
bạt khi ông đăng thì tới mục tiêu khi ông đăng thì ông đăng ta mặc lên tầm non Je reviendrai sur cette deuxième phase. Sin Sung, lorsqu'il a témoigné ici, tout le monde s'en souviendra, a évoqué une fourchette de 50 à 60 personnes qu'il a vues se faire exécuter. Il avait donné des chiffres supérieurs auparavant. Il avait parlé de 70 ou 80 personnes et de 100 personnes. Vous étiez tous les deux à observer les mêmes événements. Est-ce qu'il y a quelconque élément qui peut expliquer cette différence que vous donnez au niveau des chiffres des personnes qui ont été exécutées sur place? ឃើញតាមដែលខ្ញុំມັນបានរៀបចំនួនតាមស្មានថាប្រហែលយាកជាមួយ Vì là bình xa ngủ cọp một tư chết bỏ, nâu lưu cụ mượt xa khổ miền. Vì hì đó mượt xa khổ miền. Tạm chùm nôn lý diện nó chờ ná, cho rồi đôi kinh dì dì mình mên tạch tí. Bạn ở đây không khuyên chuyện xa đây nhưng phần ấy, ở đây lý xô xa đây nhú, chùm khuyên cho con hò trầy tí, chùm nôn phải chì mà phê pram niệm tí. Nốt bàn tôi lô mờ. Vous avez parlé d'un étang. Est-ce que cet étang se trouvait à l'intérieur du périmètre de Vaksa ou à l'extérieur? Non, Vous avez parlé de deux épisodes. Est-ce que celui auquel vous avez assisté, donc les exécutions auxquelles vous avez assisté, c'était la première fois que une exécution avait lieu? Ou bien est-ce que c'était l'autre événement? Vous avez décrit plusieurs centaines de personnes exécutées en masse. Cet autre événement avait eu lieu avant. Donc, quel est l'événement qui a précédé l'autre? Celui où vous avez vu les exécutions ou bien l'autre? มันบ้านคืนกี่ไว้นะเปิ้นคืนขโมยได้กี่ไว้เวียกมุ่นนูคืนแดนูมันลูกมือกี่เตอะได้คืนคืนថ្ងៃเตแต่เดี๋ยวเวียกกรอยทีนี้แหละไว้มีจันทร์ทานึงตะคุดนูอนุมันខ្ញុំคืนខ្ញុំเพลกลูกมือครูนแหน่งพี่เนี่ยซ่วงแหน่งเนี่ยซ่วงเสียนเสียนเสียนซ่วง D'accord. Je reviens d'abord alors au deuxième événement, celui auquel vous avez assisté. Vous avez dit que vous étiez retourné après la nuit de l'exécution sur les lieux. Pourquoi avez-vous eu l'occasion, pourquoi vous êtes-vous rendu sur place? Dans quel but? Est-ce que vous y étiez autorisé? Ta lục miền côn bồm nong à vây hỡi ta kê ạn nhạt ở tấu rứa co tấu đôi rùa biệp mạch mà
បាទពោះខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនោះព្រោះវានៅកន្លែងមិនមានមានទីគេទេខ្ញុំនៅក្រៅលបងទេខ្ញុំដើរហេតផលដើរលេងទៅសើបមើលដល់ទៅមើលឃើញមានអស់ចេញពីហោត្រៃលីងខ្ញុំស្មានតែវាយនេះពីណាទីអត់ដឹងថាដឹងថាវាយនេះដែលនៅក្នុងហោត្រៃណាដែលដឹកពីថ្ងៃយើទៅពីព្រឹកយប់ឡើងគេវាយ Est-ce que le lendemain, vous avez vu des miliciens ou des soldats dans l'enceinte de la pagode? Ou bien avait-il également quitté les lieux? បាទខ្ញុំបាទឃើញឃើញគីងគួយនៅក្នុងមន្ទីរគេក្នុងវត្តខោខ្មៅអោខ្មៅឃើញគេចុះងោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងកន្លែងបរិវេណគេបានដើរតែកវែលរបងវត្តពីក្រៅ Donc vous avez vu des vésicules biliaires qui étaient en train de sécher sur la clôture ou sur un arbre. Qu'avez-vous vu d'autre à l'endroit où les exécutions avaient eu lieu? Est-ce qu'il y avait des traces de l'exécution? ឃើញមានគេដាក់ភ្ជួរប្រមាត់មនុស្សគេដាក់ភ្ជួរក្នុងជើងធាងដូងគេនំទីគេនោះបាទខ្ញុំបានឃើញឃើញត្រង់ដំបងឃើញត្រង់គល់ឫស្សីគល់ល្ងីងដំបងទីនៅនោះហើយ Est-ce que vous avez vu des corps ou ou bien les fosses étaient-elles comblées ou la fosse était-elle comblée? ឬស្រះឬក៏រណ្ដៅនោះគេលុបជិតដែរឬទេបាទគេលុបអត់ជិតទេឃើញជើងឃើញដៃនៅកណ្ដាលវាល Est-ce que vous avez pu reconnaître le corps de Chanta ce jour-là? Ou bien j'ai mal compris ce que vous aviez dit auparavant? Bah, à rien trong nó để cái vay đạn lùng thời khi nhóm mình bán tới ớt nông lùng thì khi nhóm cái nát đời có vẻ khang khang bị chứng ngại khi nhóm bán đi buộc mọi vật chân Alors, j'en reviens alors au premier épisode. Vous avez dit qu'il y a eu des centaines de personnes qui ont été exécutées. Est-ce que vous avez des éléments concernant ces personnes qui ont été exécutées? Est-ce que, comme lors du deuxième épisode, c'était également des Vietnamiens? Et si oui, sur base de quel élément vous basez-vous pour le dire? ក្នុងករណីដែលថាអ្នកនោះជាជនជាតិវៀតណាមតើលោកសំអាងលើអ្វីដែលលោកអាចបញ្ជាក់ថាជាជនជាតិវៀតណាមជាជនរងគ្រោះនៅពេលនោះបាទព្រោះខ្ញុំស្គាល់តាខុតនិយាយមកនឹងចន្ទថានោះច្បាស់ D'accord, je vais revenir sur ma question qui était mal formulée. Bah, en fait, vous avez dit qu'il y avait eu deux périodes où il y a eu des exécutions à Wat Ksar.
Vous avez dit, vous avez estimé qu'il y avait 25 personnes exécutées le soir, où vous avez assisté à certaines exécutions. Et vous avez également dit qu'avant cela, à la pagode de Wat Ksa, il y avait d'autres exécutions. Et vous avez mentionné qu'il y avait un étang et un puits. Vous avez estimé qu'il y avait des centaines de corps qui avaient été enfouis ou jetés dans cet étang et dans ce puits. Est-ce que ces personnes qui ont été exécutées et jetées dans l'étang, dans le puits, étaient également des Vietnamiens ou non? មើលມັນច្បាស់ទេអាត្រឹងទៅនោះມັນដឹងជាជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ມັນដឹងជាជនជាតិខ្មែរផងជនជាតិអ៊ីស្លាមផងມັນដឹងដែរព្រោះជ្រលុកច្រឡំគ្នាច្រើនណាស់បាទມັນហ៊ានចូលទៅជិតគីផង Tout à l'heure, je vous ai lu les déclarations de Lon Kun, qui expliquait que son mari, d'origine vietnamienne, ses beaux parents, les frères et sœurs de son mari, ainsi que leurs enfants, avaient été exécutés à Wat Ksa. Et vous avez situé dans le temps cet événement comme faisant partie du premier événement, premier. Les premières exécutions en masse à la pagode. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit, savoir que la famille de Lon Kun a été tuée à un moment différent de celui de la famille de Chang Tha? Bon, je crois que je vais en rester là. Merci beaucoup, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Je vais céder la parole Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Marie Guiraud. Je représente le collectif des parties civiles dans ce procès. Et j'ai quelques très, très courtes questions à vous poser cet après-midi. Vous avez indiqué tout à l'heure que deux types de personnes avaient participé à l'exécution et notamment à l'exécution de Chang Tha. Il y avait des personnes qui faisaient partie d'une unité militaire qui était postée à la pagode et un groupe de miliciens. Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage? Est-ce que cette unité militaire dont vous avez parlé était postée à la pagode de Ksat? Vous souvenez-vous quand est arrivée cette unité militaire dans le village de Ksat? កងយោធានឹងមកប្រចាំការនៅក្នុងភូមិខ្សាច់ហ្នឹងនៅពេលណាដែរបាទដែលខ្ញុំតាមក្តាប់ជឿបដែលចងចាំនៅជាឆ្នាំចាប់តាំងពី 75
ខ្ញុំមកមកមកតន់ខ្មែរអត់មានការសំឡេងជាភាសាខ្មែរអត់ឮផង Il me semble que ma dernière question était à quel moment l'unité militaire est-elle arrivée dans le village de Ksat? L'unité militaire était-elle basée en permanence dans le village et postée à la pagode? Est-ce que vous en avez le souvenir? Saviez-vous à l'époque d'où venait cette unité militaire? Du district, de la région, aviez-vous des informations à ce sujet à l'époque? ខ្ញុំមិនសូវដឹងដែររឿងចំណុចភូមិភាគនិងថ្នាក់ស្រុកមិនដឹងដែរមិនដឹងពីមកពីខាងភូមិភាគមិនដឹងពីមកពីខាងស្រុកឬខាងសង្កាត់ព្រោះនៅកន្លែងនោះខ្ញុំចំណាំបានឈ្មោះនេះដែលឈូជើងនៅនោះមិត្តរីមិត្តស៊ឿនមិត្តលុនមីធំ Quel type de responsabilité? Je vous remercie. Vous avez parlé tout à l'heure de Kut et Noy, que vous connaissiez et qui, selon vos souvenirs, avaient participé à l'exécution que vous avez décrite. Pouvez-vous nous dire si Kut et Noy étaient des membres de l'unité militaire ou de la milice? ប្រចាំឃុំហ្នឹងឯងតែចំពោះគេក្តាប់រូមមីធំគេនៅកន្លែងនោះមានស្គាល់ឈ្មោះមិត្តស៊ឿនមួយមិត្តរីមួយមិត្តលុនមួយនោះមិត្តស៊ឿននេះនៅខេត្តនៅកំពង់ចាមខាងខេត្តកំពង់ចាមមិត្តរីខ្ញុំអត់ដឹងថានៅខេត្តណាទេស្រុកណាទេប៉ុន្តែស្គាល់ឈ្មោះ Et est-ce que j'ai bien compris votre témoignage quand vous avez indiqué tout à l'heure que vous avez reconnu Kut et Moy parmi les personnes qui avaient procédé à l'exécution de personnes d'origine vietnamienne? Est-ce que c'est bien ce que vous avez indiqué tout à l'heure? Avez-vous revu par la suite Kut et Moy dans le village après les exécutions?
Donc, avant janvier 79. Avez-vous entendu quelque information que ce soit après les exécutions sur ce qui s'était passé à la pagode de Ksatch et l'implication de Kout et Moy? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté après? Pour être clair, avez-vous reconnu d'autres personnes ce soir-là que Kout et Moy parmi les bourreaux, comme vous les appelez? Et concernant l'autre événement que vous avez décrit un petit peu plus tôt au coprocureur, à savoir le massacre d'une centaine de personnes près de l'étang, avez-vous la moindre information sur les personnes, les auteurs de ce massacre? Et saviez-vous à l'époque qui procédait à ces exécutions à côté de l'étang? Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, I shall be very, very brief today. As a matter of fact, I only have one question that I would like to put to you, because with all due respect, I don't believe a word of your story, so I'm putting it to you that, as a matter of fact, you never witnessed any executions between 75 and 79. You never saw any dead bodies near Bok Sa. You never heard any prisoners in the Wat, in the library of the Wat. As a matter of fact, the situation was like one of the witnesses described. Nobody believed.
ទៅលើការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សក្តិសីបំណងឲ្យសក្តិសីបាត់បង់នៅជំនឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទីអង្គហេតុអង្គជំរះផ្ដល់វិធីការជូនទៅលោកគឺសួរពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមិនមែនឲ្យលោកធ្វើឲ្យចន្តឋានលើសក្តិកម្មរបស់សក្តិសីរូបនេះទេដំណាក់ការនេះក្តីថាផ្ដល់សក្តិឋានដូចជាបន្តដល់ពេលទេ Very well, Mr. President, but I think I'm allowed to ask the question whether it's not true that he never saw any execution. វាយតម្លៃទៅលើការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សាក់សីណាមួយឲ្យសោះទីមួយទីពីរក៏លោកមិនក៏បីប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យសាក់សីណាមួយដែលត្រូវផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះមុខអង្គជំនះអស់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលក្នុងឡុងពេលនៃការសួរដេញដោលដែរបើសិនបើលោកសួរដេញដោលទៅរឿងរកថាមូលហេតុអ្វីដែលជានាំឲ្យជាផោះតាងដែលលោកជឿជាក់ថា So are you saying, Mr. President, I'm not allowed to ask the question whether the witness is in fact lying? អង្គជំនះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះទេ Merci monsieur le président. J'ai en revanche, moi, un certain nombre de questions à poser à monsieur le témoin. Bonjour monsieur le témoin, je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de monsieur Kusampan. C'est à ce titre que je vais vous poser un certain nombre de questions. Au préalable, je voudrais vous demander de faire très attention aux questions que je vais poser. Je vais essayer de poser des questions courtes et précises et je vous demande autant que faire se peut de répondre également de façon précise à mes questions. Première question relative à votre parcours. Vous avez indiqué que durant le Kampuchea démocratique, vous étiez dans une unité mobile. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles étaient vos attributions dans cette unité mobile? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Est-ce que vous pouvez indiquer si ces occupations, c'est des occupations que vous avez eues pendant toute la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire de 75 à 79? Est-ce que c'est les mêmes fonctions que vous avez occupées pendant toute cette période? ที่ออยเยี่ยม
Vous montiez la garde à quel titre exactement? Et vous montiez la garde où? Excusez-moi, monsieur le témoin, je vous rappelle qu'il ne faut parler que lorsque le micro est allumé, sinon nous ne vous entendons pas. La question que je vous posais exacte, c'était de savoir à quel titre vous montiez la garde. Est-ce que vous faisiez partie d'une milice? Je n'ai pas de traduction en français. Monsieur le témoin, je vous répète à nouveau que j'essaye de poser des questions précises et je vous demande de répondre le plus précisément à des questions. Vous avez répondu un certain nombre de choses auparavant, j'ai entendu vos réponses. Vraiment, écoutez bien à mes questions. Donc, vous étiez chargé de monter la garde. Vous aviez été chargé de monter la garde par qui? Est-ce que c'était des gens en rapport avec l'unité militaire ou les miliciens que vous avez évoqués tout à l'heure? Et vous, où étiez-vous chargé de monter la garde? À quel endroit du village étiez-vous chargé de monter la garde? บ้านเด้อหนองกะแลนตีกี่หนูปะนะเตาต้องคลายกี่เทเนี่ยคลายเฮียนเจ๊ตะเฮียนน่ะกะแลการทานกี่หนูกมโจไปปลาหยุบแต่หยุบไปเจียจวนเอาดาบ้านติดาบ้านตะนองภูมินองเตี้ยจุ่มวิ่งหน่อย Où est-ce que vous alliez dormir le soir? Ou plutôt, je vais procéder autrement.
Jusqu'à quelle heure travaillez-vous dans la journée? Quels étaient vos horaires journaliers de travail? Vous n'avez pas répondu précisément à ma question, donc je la répète. Quels étaient vos horaires de travail journalier? Là, vous m'avez parlé de votre travail auparavant dans la coopérative pour chercher de quoi faire de l'engrais et pour pêcher. Je vous demande dans la journée quels étaient vos horaires de travail. Et après, je reparlerai de la question de la garde. Là, pour le moment, je suis sur vos horaires de jour. ចំពោះថ្ងៃអត់មានយាមទេថ្ងៃបែកគ្នាចែកទៅរកការងាររៀងខ្លួនតែយប់ដាក់វេនយាមបាទ. Ça, j'ai bien compris, monsieur le témoin. Pendant la journée, vous étiez à la pêche ou vous vous occupiez de l'engrais. Ma question, et je vous demande de bien écouter ma question est de savoir quels étaient vos horaires de travail pour vous occuper de l'engrais et de la pêche. C'est les horaires que je vous demande, engrais et pêche. ពីព្រឹកទៀងងារយប់ណាបានមកដល់ជួនកាលក៏មកពីភ្លឺទៅវាអត់ទៀងបាទ. Quelle était l'heure à laquelle vous rentriez au village au plus tôt? De façon générale, vous me dites que parfois vous finissiez tard et parfois vous finissiez plus tôt. Quand vous finissiez tôt, vous finissiez à quelle heure? Et lorsque vous reveniez plus tôt au village, est-ce que vous rentriez directement chez vous? Donc ma question, c'était après votre journée de travail, quand vous rentriez plus tôt, vous alliez directement chez vous. C'est bien ça? Vous avez indiqué qu'il y avait un moment pour prendre le repas. Donc ma question est la suivante. À quelle heure est-ce que vous preniez vos repas habituellement dans la coopérative? Vous avez évoqué une cloche. Est-ce que je dois comprendre que tout le monde mangeait en même temps?
này thà bị cái vài chuông cứ trời tới nhắm tầng ốc này anh chắc mình thế bạt Est-ce que vous pouvez m'indiquer à quel endroit vous dormiez le soir et à quelle distance cet endroit se trouvait de la pagode Ksak? Tam ptih ring khluon nai na. Samran nou tam ptih ring khluon nai. Ban dol houp bai room. Kalaing sa ko. Donc ma question est toujours la même. À quelle distance se trouvait l'endroit où vous dormiez de la pagode? Votre domicile, à quelle distance se trouvait-il de la pagode? Est-ce que vous avez, entre 75 et 79, toujours conservé le même domicile? Et maintenant, l'endroit, le réfectoire où vous preniez vos repas, à quelle distance se trouvait-il de la pagode? บาดឆ្ងាយឆ្ងាយជាងពីផ្ទះខ្ញុំទៅវត្តចម្ងាយ300ម៉ែត្រតែកន្លែងដែលក្នុងបាយរូមនោះចម្ងាយវាវាវាកន្លះគីឡូណោះ 500 Quand vous finissiez tôt de travailler, est-ce que vous alliez directement chez vous ou vous alliez directement au réfectoire? Bah, car non, ta thuê ca job, tàu tiệt sen bơi li so chung bàn cản tràn mùi mình nhớ ruột tàu cái này ruộng bài, khai mình tiền kì. Je voudrais maintenant en venir à votre camarade Sin Sum. Vous avez indiqué que vous étiez proche. Ma question est de savoir son domicile par rapport à votre domicile. À quelle distance se situait-il? Quand vous dites vous travaillez ensemble, est-ce que ça veut dire qu'il était également avec vous à s'occuper de l'engrais et à s'occuper de la pêche? ធ្វើជីហើយនឹងទៅរកត្រីអីដោយលោកដែរមែនទេ Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, quand vous dites « nous travaillons ensemble », ce que vous vouliez dire? ទេការនោះដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនោះវាដើរទៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងថាវាទៅមើលលោកមើលជាមួយខ្ញុំហ្នឹងឆ្លើយនឹងសំណួរលោកមិនទាន់មិនឆ្លើយនឹងសំណួរផងស្ដាប់សំណួរសិនឲ្យបានសិនណាខ្ញុំឆ្លើយ
Je vais donc reposer ma question. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de Sin Sung, vous m'avez dit « nous travaillons ensemble ». Donc ma question, s'il ne travaillait pas avec vous sur l'engrais et la pêche, qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous dites « nous travaillons ensemble » ? Ngày mỗi về một chung khi ông tử ọt miền riêng ta ngày nà chung khi nà ọt thì kì bấm bay khi nhà thư ca nghỉ buộc xa mây nó ọt đây ôi nó chung khi là bột tí ngày nay ní bàn chung khi ngày xe cần xe bay khi nhà thành chỗ hẹn thư ca mục cơ xung riêng khuôn Et lui, est-ce que vous savez dans quelle unité il travaillait, ce qu'il faisait ? Je conclus de votre réponse que lui s'occupait du bétail, c'est bien ça ? Bah, Sien Suong ni phnai khnie khviel ko khviel kabai te ko ma dai vieng ka sam angkor no. Khnyom ni ki pambaik te khang ro khang sitthikai sahakor ni te. Doi laek. Pan na dai chum khnie ki chum khnie. Mohop bai chum khnie. Vous avez, maintenant j'en viens à votre deuxième occupation, puisque vous avez indiqué que vous étiez également en charge de la garde, enfin de garder la route. Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle heure vous étiez en charge de garder la route ? Est-ce que c'était toujours la même heure ? Et si oui, laquelle ? Et sinon, comment cela s'organisait-il ? บาดគេដាក់យាមកាមតាមភូមិនេះគេដាក់វិញគ្នាបើគ្នាមានប្រមាណនាក់ទៀងទីហោថាគ្នាមាន10នាក់គេដាក់វិញគ្នាទៅ2ម៉ោងម្នាក់ទៅឬ1ម៉ោងកន្លះម្នាក់ទៅតាមវាមកវាមានរឿងបានភ្លឺឡើងបែកគ្នាធ្វើការ Et un dernier point avant la pause. Vous avez indiqué que vous étiez souvent avec Sin Sung. Ma question maintenant est de savoir, est-ce que après la fin du régime du Kampuchea démocratique, après 1979, vous avez gardé des contacts avec Sin Sung ? Et si oui, est-ce que vous l'avez vu récemment ? บาดថ្ងៃសបថ្ងៃខ្ញុំមិនបានជួបគ្នាទេគឺនៅឃ្លៀងគឺនៅឆ្ងាយពីជាងបែកគ្នាសបថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះកាលមុននោះដែលលេងជុំគ្នាណែរស់នៅជុំគ្នា quand vous dites nous habitions ensemble est-ce que vous pouvez préciser កាលមុនជុំគ្នាដល់ឥឡូវគេបែកផ្សេងហើយគឺនៅភូមិផ្សេងហើយទីមកជុំគ្នា Et depuis quand enfin quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ចុងក្រោយនេះគុំរបានជួបទីបែកគ្នាតាំងពីបោះហើយមកបាទអរគុណបាទ
សំណាកការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសំណាកការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសំណាកការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រទី 863នឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយអង្គជំរះសូមអរគុណលោកអ៊ុំសុនដំណើរការស្ដាប់សកម្មការសកម្មរបស់លោកក្នុងនាមជាសាក្សីមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់សកម្មនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី 12 11ធ្នូ 2015ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីជំនួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកម្ពុជាសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកអ៊ុំសុនត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងទៅកត់ថ្នាក់នៅវិញនិងសូមអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃសុក្រទី 11ខែធ្នូឆ្នាំ 2015ដែលចាប់ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹកហើយប្រកបឲ្យនរៈអភិគមខាំងនាំខ្លួនជួនចុះចោតនៅពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអវតក